Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Voyez-vous, moi, j'ai souvent l'habitude de me poser un certain nombre de questions, surtout concernant la réaction des uns et des autres. Parce que quand vous êtes posé chez vous, vous ne faites rien. Et que quelqu'un prend la peine de se lever pour partager son avis au plus grand nombre. L'honnêteté intellectuelle, sinon je ne sais pas trop comment il faut appeler cela, nous recommande parfois de nous taire quand on n'a rien à dire. Sinon, dans le pire des cas, tu prends tes engagements, tu prends ton téléphone et tu t'exprimes. Et les gens vont juger qui dit quelque chose d'important et qui ne dit rien. C'est pas la peine de venir dans les posts pour faire des petits commentaires. Oh, machin. Non, tu prends tes engagements. Si tu veux contribuer au débat national, si tu veux apporter ta contribution, il faut apporter ta contribution de manière claire et nette. Tu n'as pas besoin de te cacher. Comme ça, les gens, ils vont avoir la possibilité ou l'opportunité de répondre. Voilà. De dire si tu dis quelque chose d'important ou pas. Moi, ce qui m'intéresse à moi, c'est ce que j'observe. Et peut-être que je ne trouve pas les mots justes pour exprimer cela. Mais le plus important, c'est que j'arrive à partager mon avis avec le plus grand nombre. Je vais vous prendre l'exemple des Corabiers. Ce sont des Gabonais, des gens qui sont au service du pouvoir, donc au service de nos dirigeants. Ils veillent sur leur sécurité, ils veillent quand ils dorment, ils veillent, ils veillent, ils veillent. Ces gars travaillent 24 sur 24. Ils travaillent, ils sont au service de la République. Et pourtant, vous savez tous que le pouvoir est en rapport direct, forcément, avec la discrétion, avec la rareté. Il faut que tu sois quelqu'un de pas accessible facilement pour créer le mythe. C'est ça le pouvoir. Mais lorsque vous avez des militaires au quartier qui vivent avec nous, partagent les moustiques, les coupures d'électricité, les coupures d'eau, qui, quand à chaque fois qu'il y a la pluie, soulèvent les enfants juste à la route parce qu'il n'y a pas de goudron et tout le reste, vous pensez que vous êtes en train de protéger les gens qui veillent sur votre sécurité 24 sur 24. Est-ce que c'est une façon de traiter les gens qui vous gardent? Est-ce que c'est comme ça? Quand vous allez au camp des policiers, qui vous voyez l'image du logement des policiers, est-ce que ça ne vous interpelle pas? Les mêmes policiers là qu'on envoie pour dégager les manifestants, qu'on envoie pour bastonner les gens, qu'on envoie pour faire, c'est les mêmes policiers là que vous retrouvez dans les quartiers, dans les conditions les plus terribles, dans la misère la plus terrible. D'autres n'ont même pas de femmes. D'autres louent dans les quartiers, dans les quartiers bidons. Alors qu'ils protègent les gens qui prennent de l'argent tous les jours, qui ne pensent même pas à eux. Parce que les jeunes gens là, qui protègent là, c'est des gens qui détournent les milliards. Et ils ne font rien avec les milliards. Entre-temps, eux, ils sont en misère. Et ils souffrent. Et quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital militaire. Quand ils n'ont pas de solution, ils sont enterrés. Même pour une simple petite grossesse, tu trouves la mort à l'hôpital militaire. Quand on fouille bien, techniquement, si on était équipé, on pouvait éviter cela. Nous sommes tous dans le même bateau. Militaires, gardes républicains, policiers, nous sommes tous dans le même bateau. Quand tu prends le taxi, tu prends un taxi avec les mêmes militaires. Quand on vous met 4x4, on met 4x4. On ne pense même pas dire, le seul monsieur, il a en tenue, c'est le vert, jaune, bleu. Il faut respecter ne fût-ce que le drapeau. Non, on vous colle. Et un jour, j'entendais Sogatra, on a dit, oh, Sogatra, la priorité aux hommes du troisième âge et aux militaires. Mais quand Sogatra donne la priorité, tu restes debout. Quand il n'y a plus de place, le militaire reste debout. Est-ce que c'est une façon de traiter quelqu'un qui porte le vert jaune bleu, est-ce que c'est bien qu'un militaire se retrouve dans Sogatra? Il est là maintenant, autour, il est entouré des élèves.
Il transpire tellement la tenue chauffe. Est-ce que c'est comme ça, c'est bien? Pourquoi ne pas donner, au lieu d'acheter autant de je ne sais pas quoi, des voitures, des guerres et tout le reste, pourquoi ne pas acheter autant de bus pour mettre en disposition des militaires pour les transporter? Pourquoi il faut mélanger les militaires avec des citoyens ordinaires? Pourquoi? Pourquoi ne pas créer plus de cités pour les militaires, puisque vous recrutez chaque année? Pourquoi ne pas créer plus de cités pour les militaires? Les militaires doivent avoir leurs propres cités, leurs propres écoles, leurs propres bus de transport. On ne pouvait rencontrer le militaire au marché que quand le militaire a fini son service, il est en civil. On ne peut pas voir les militaires au bar en tenue. On ne peut pas voir les militaires au marché, en train de venir faire les courses au marché avec le panier en tenue. Mais tout ça, on voit. Après, vous demandez pourquoi on ne respecte pas les militaires. Mais comment les militaires vont être respectés? Eux-mêmes, ils créent même les conditions pour qu'on ne les respecte pas. Tu vois un colonel, il a un taxi. Et il donne le taxi à un chauffeur qui est un Togolais. Quand il prend le taxi, lui-même, le chauffeur, il est devenu colonel. Dès qu'on l'arrête, Pierre, il appelle le téléphone, il donne à l'agent. Allô, oui, c'est le colonel. Le colonel rend la voix, il y passe. Mais nous-mêmes, on a fragilisé même ce qui nous reste. Ça veut dire l'autorité. Et c'est ça le problème. En agissant ainsi, le colonel lui pense que lui fait son business, on n'a pas le droit d'arrêter son taxi. Entre-temps, il est en train de vendre le peu de crédibilité, le peu de dignité qui restait aux militaires. Et quand les gens qui sont en bas remarquent cela, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils grignotent les 2000. Là, ils n'ont pas besoin d'envoyer l'affaire chez les colonels, parce que quand la voix part là-bas, le colonel traite tout le monde. C'est ça la réalité. Et c'est ça le pays. On ne peut pas avoir ce lien, ce contact entre les gens qui sont censés défendre la nation, réglementer les choses, et puis les citoyens lambda. Mais qui les met dans ces conditions, les militaires? C'est le pouvoir. Et c'est le même pouvoir que les militaires protègent. Et qui empêche l'investissement pour les mettre dans les mêmes conditions? C'est le pouvoir. Et ce sont les mêmes personnes qui n'arrivent pas à respecter l'investissement, qui arrivent à détruire l'argent que les militaires protègent. C'est ça le paradoxe. Ce n'est pas moi. C'est simplement une observation. Et c'est clair, n'importe qui peut avoir la même observation. Mais c'est vraiment, les gens ne veulent pas, ils font semblant de ne pas croire. Mais moi, je vous dis, moi, je ne peux pas accepter que les militaires puissent se mélanger aux hommes. Il faut créer un cadre pour que ceux qui décident et ceux qui sont censés prendre la décision ne soient pas accessibles n'importe comment. Il faut les écarter à la vie populaire. C'est un principe. Il faut protéger le pouvoir. Ça, c'est pas magique. C'est simple à comprendre. Ça n'a pas besoin d'avoir un diplôme de la NASA pour comprendre cela. Voilà. Il faut simplement observer et comprendre que ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que ça fait partie des détails qui dérange la nation. Un militaire haut gradé n'a pas à avoir une pirogue de pêcheurs, n'a pas à avoir un taxi, ne peut pas avoir une petite téléboutique, il ne peut pas avoir cela. C'est interdit et ce n'est pas autorisé, parce qu'il ne peut pas à la fois être juge et parti. Fin de citation. Est-ce qu'on a besoin d'un doctorat en droit ou en économie pour comprendre que ce n'est pas normal? À bon attendeur, salut. Et je vous dis souvent, dans la vie, ce que nous sèmons, nous récoltons. Quand tu vois les gens au chômage et que toi tu travailles, il ne faut pas se moquer d'eux. Tu ne sais pas pourquoi ils sont au chômage. Parfois même, il y a des gens qui sont deux fois plus diplômés que toi, deux fois plus compétents que toi, mais n'ont pas réussi à avoir la connexion nécessaire pour se retrouver en activité. Toi, parce que tu es en activité, tu te prends pour un dieu. C'est une erreur. Je vous dis, c'est Dieu qui décide de tout.
Sachez-le et respectez-le.